baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, il est 8h15. Le bruit que vous entendez, je suis en train de me faire un latte. En fait, ce matin, j'avais envie d'épices. Donc, je suis en train de me faire un latte saveur spéculoos avec le café que Greg m'avait acheté pour mon anniversaire. Ils sont vraiment trop trop bons ceux-là. Ils viennent, donc c'est les petits torréfacteurs by Maxi Coffee. Et franchement, alors, je pense que je les ai tous testés. Hein. Mon préféré, je pense que c'est spéculoos. On a un petit goût d'épices qui est trop bon. Enfin, après, ils sont tous très bons. Hein. Comme je vous dis, je les ai tous goûtés. Peut-être que le moins, c'est ce chocolat. Que voilà, je trouve que. Mais après, ça, leur beurre praliné, il est trop bon aussi. Le noisette aussi. Enfin, ouais, ils sont tous bons. Peut-être le vanillé. Je trouve que mon sirop fait bien l'affaire. Le chocolat. Je pense que le chocolat il serait meilleur. On n'a pas assez le goût du chocolat. Je pense que faudrait que je vous fasse une vidéo avec quelques recettes de boissons chaudes là avec Noël et tout qui arrive et tout. Ouais, mais en tout cas je vous les conseille. Ces cafés ils sont vraiment trop trop bons. Donc là j'ai fait spéculoos. Je vais ajouter, j'ai du sirop, donc ça c'est pareil, c'est le même sirop que j'ai utilisé hier pour le caramel. Là c'est le spéculoos, c'est la marque Colac, je les achète, je vous l'ai dit, hein, au grossiste, pas loin de Famille Flora. En fait, j'aime bien les utiliser, Greg il les utilise mettons sur du riz au lait ou dans du yaourt ou des choses comme ça pour aromatiser un yaourt nature ou sur des glaces et après dans mes lattés quoi en fait. Voilà. Alors c'est bon super longtemps, hein. Même à tamer ça le conserve super longtemps, c'est du sucre. Hein. Donc là je vais juste mettre un petit filet comme ça sur le dessus. Je vais vous montrer, c'est un petit déjeuner très très épicé que j'ai pris ce matin. Hop. Alors là du coup mon café est en train de... Alors mon latte, je me suis mis... 3 petites tranches de pain d'épices avec un peu de beurre, j'adore le manger comme ça. Et j'ai pris, donc c'est du skyr avec de la cannelle et des pommes. En fait, je trempe la pomme dans le skyr et la cannelle. Et ça, c'est pareil. Si vous aimez la cannelle comme moi, c'est trop bon. J'ai encore gardé Stacy aujourd'hui. Je pense que je vais la garder la fin de la semaine. Elle a encore vraiment très très mal au ventre. Alors, elle vomit plus. Mais elle mange pratiquement pas, donc dès qu'elle se lève et tout, elle a la tête qui tourne. Elle est blanche, mais alors cadavérique. Elle est vraiment pas en forme quoi en fait. Donc je me dis, elle sera beaucoup mieux à la maison. Alors je sais pas, c'est une gastro à mon avis, hein, parce que. Mais elle a que ça comme symptôme, les douleurs de ventre. Mais alors à la gastro, ça peut rester une bonne semaine. Donc ouais, elle l'a bien, bien chopé. Alors je touche du bois, du cochon, du singe, ce que vous voulez. Mais pour l'instant, ça s'est pas propagé à la maison. La gastro, c'est le truc qui me fait super peur à chaque fois. Je trouve que dans les petites maladies d'hiver, là, entre le rhume, voilà, les trucs comme ça, c'est la plus casse-pied. Parce que c'est handicapant. Voilà, en fait, c'est ça. Et surtout quand on est maman au foyer, vous voyez, et qu'on a une routine. Je veux dire, ça arrivera à Greg. Il prend quelques jours, il reste à la maison. Basta, quoi, en fait, entre guillemets. Moi, ça m'arrive, ça m'handicape parce que pour les conduites, et ben c'est gaspillé. Vous êtes dans le caca. Hein pour enfin le faire le repas parce que bah, la maison doit continuer à tourner et tout hein. Donc c'est vraiment la maladie qui m'embarrasse le plus quand j'ai un rhume que j'ai la crève quoi en fait je prends sur moi quoi en fait et je me dis bon c'est pas grave tu vas aller conduire tu reviens tu te mets au chaud mais la gastro
voilà, j'ai tout le temps peur que ça m'arrive sur la route ou que j'ai une envie de vomir d'un seul coup ou quoi. C'est vraiment handicapant. Bon allez, je vais déjeuner. Je suis en train de préparer pour ce midi. Je fais un gratin d'endives. Angel ne mange pas avec nous cet après-midi. Je vous avais dit que sa prof de physique avait décidé de faire cours. Alors hier, j'ai appelé le collège, enfin le lycée. Alors au début, ils n'étaient pas au courant. Alors ensuite, elle me dit, bah, écoutez, je vais vous rappeler, je me renseigne. Donc ensuite, elle me dit que... qu'en fait comme ils sont que 18, ben parce que Angel, la physique c'est c'est une option en fait, donc elle me dit ben, que les options vont prendre parce qu'ils vont reprendre parce qu'ils sont en petit groupe. Alors je lui dis bah ben, du coup parce que Angel a option maths, option physique et option SVT. Alors je lui dis mais du coup la SVT et la maths reprennent aussi? Ben non, là pour l'instant j'ai pas eu. Je dis ben vous me dites que toutes les options reprendre parce qu'ils sont pas, ils sont que 18, donc clairement logiquement voilà. J'ai puis en fait quand je regarde l'emploi du temps normal d'Angel, ben ils reprennent cours normalement, pratiquement quoi en fait. Alors là elle était un petit peu, alors je pense que c'est une magouille avec la prof de physique et la direction. Je sais pas vraiment pas s'ils ont le droit, mais bon elle m'a dit clairement que si je mettais pas Angel il était absent et que le cours allait continuer quoi en fait. Alors après quand je lui ai dit donc ça va être comme ça, alors elle me dit oui mais c'est peut-être juste au-delà parce que elle avait quelque chose de en retard et qu'elle veut rattraper les cours. Donc je lui dis bah ok. Donc c'est juste pour jeudi vendredi parce que demain c'est la même chose. Elle me dit oui il faudra juste vérifier sur Pronote. Donc je sais pas, je verrai, mais j'ai l'impression que c'est pas net leur truc. En fait ils sont en train de magouiller pour reprendre. Alors en soi ça me dérange pas quoi en fait, mais ce qu'il y a c'est qu'on a mis en place ce protocole. Enfin ça me dérange pas, ça me dérange pas qu'il a cours toute la journée, au contraire on pourrait revenir à une vie normale, ça m'arrangerait. Voilà, hein, je crois qu'on est beaucoup à vouloir reprendre une vie normale, mais le virus est encore là et que même si la prof décide de refaire cours, c'est pas elle de prendre cette décision là quoi en fait. Il y a un protocole qui a été mis en place pour protéger que ça soit les élèves, les, enfin tout le monde quoi en fait. C'est... il faut le respecter quoi en fait. Donc ouais. Alors elle me dit bah, ils sont que 18 en classe donc c'est pas grave. J'ai dit ouais mais d'accord ils sont que 18 en classe, mais c'est des options donc du coup ben, c'est des élèves de plusieurs classes qui sont remis dans une seule classe, donc qui est en contact du coup avec plus de classes, donc plus de risques, et puis ben il va rencontrer les élèves du matin qui logiquement ne voient pas dans l'établissement, et en plus du coup il y a plus d'élèves dans l'établissement le matin, puisque s'ils reprennent le cours, il y a plus la moitié des cours, enfin plus la moitié des élèves. Alors après, je pense que ça concerne que la classe à Angel, et comme je vous dis, ça doit être une petite magouille. Donc j'espère que le fait d'avoir appelé, ça leur a fait mouche, en leur disant, bon, en fait, compte, je sais pas si on a le droit de faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Mais voilà. Alors comme j'ai dit, c'est vraiment pas le fait, au contraire, hein, ça m'arrange qu'ils reprennent l'école normalement et tout, des cours normales et tout, mais c'est le fait qu'ils ont pas le droit de le... Enfin voilà, c'est... Voilà. Bref, on verra ça. Donc du coup, Angel commence à 10h et finit à midi et il reprend à 13h40. Et à chaque fois, et c'est ça en fait, comme c'est ce que je lui ai dit au téléphone, c'est ça qui m'embête le plus. C'est que dans le contexte actuel, il a 40 minutes, il ne peut pas rentrer manger, c'est pas possible. Et dans le contexte actuel, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de lieu pour manger. Donc là, il va être dehors pendant 40 minutes à manger. Alors, j'aurais que lui, j'aurais été squattée dans la voiture avec lui le temps qu'il revienne. Alors peut-être qu'il y en a certaines qui vont me dire, mais Sandra, tu es trop maman poule, hein, hein, hein. Mais voilà, là il va être dehors, il commence à faire froid pendant 40 minutes à attendre et puis à être en contact du coup avec les autres élèves quoi en fait. Ouais, donc c'est ce que je lui ai dit aussi, alors on verra. Hein. Donc du coup il va prendre un sandwich, donc il est pas là ce midi. C'était tout, c'est pour vous dire ça. Stacy ne va sûrement pas manger grand chose parce que ben, dès qu'elle mange, ben, la douleur se... Alors elle garde tout ce qu'elle mange hein, mais dès qu'elle mange ben, la douleur se réveille encore plus. Voilà, elle va peut-être juste manger un peu de jambon, un peu de pommes de terre comme ça, on verra. Donc oui, je vais préparer les endives au gratin.
C'était juste pour dire ça que j'ai fait un blabla de 5 minutes. Je vais préparer les endives au gratin et ce soir, c'est pour le plus grand plaisir de Greg, les endives au gratin, c'est un de ses plats préférés. Et ce soir, c'est des pétonques. Alors, c'est des pétonques crémeuses à l'ail et aux tomates séchées et je vais faire ça avec des linguini. Alors, à chaque fois, je dis linguini, mais je pense que c'est linguine qu'on dit. Parce qu'en fait, il n'y a pas de i à la fin. Alors, à moins qu'en italien, ça, le i, le e se dit i, je sais pas. T'es fofolle, toi? Hein? T'es fofolle? Qu'est-ce qu'elle a, Luna? Hein? Alors, elle me fait trop penser, quand elle met ses oreilles comme ça, à un dessin animé, vous voyez, à Dragon, le dragon noir. En fait, celui qui est tout noir, elle met ses oreilles comme ça, elle me fait trop penser à lui. Bon allez, je vais déjeuner, ça fait 10 minutes que je vous parle. Hop. Et puis ensuite, il faut que je fasse aussi un peu de ménage avant de partir conduire Angel. J'ai mon plafond. Alors, je voulais faire mes coussins, mes plaids, le canapé, etc. Mais je me dis que... je vais mettre ma déco de Noël, donc je vais changer les plaids, les coussins et tout, donc je pense que ça restera comme ça. Je les mettrai au sale quand je vais les changer et comme ça je les rangerai propre pour l'année prochaine. Voilà. Et pareil du coup, comme je ferai mon canapé à ce moment là et j'avais prévu aussi de faire le bahut, le haut, le bas était fait parce que quand on a switché, j'avais tout rangé à l'intérieur. Il faudrait que je fasse le haut du bahut. Je vais voir si on a, si j'ai le temps aujourd'hui. Autrement, je le ferai demain. Et on voudrait aussi s'y mettre au niveau de la crédence. J'ai testé 2-3 petits trucs. Je voulais voir. Et je pense que ça va faire pas mal. Je suis contente. Ça va changer. Allez, je vais déjeuner. Je me dépêche. Je fais un petit peu de... Je fais mon gratin. Mes endives au gratin. Et je fais un peu de ménage. Puis après, je vais aller conduire Angel. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Every night, Luna. When I close my eyes, I see. J'avais dit si t'as qu'une heure et demie pour manger, tu m'appelles, je viens te chercher. Mais il m'a pas appelé, donc il y avait bien son cours d'anglais. J'ai lancé du coup le repas pour ce midi. Alors, endive au gratin, je vous ai pas filmé la recette, hein, je pense qu'on sait tous la faire. En plus, c'est
super simple à faire ça. J'ai préparé des pommes de terre. Là elles sont cuites dans le cookie aux pommes de terre à l'eau. Je fais mes plein de sauce béchamel dans mes endives et on met ça sur ces pommes de terre, c'est trop bon. Sinon ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai travaillé sur le PC et c'est tout. J'ai trop hâte que Greg rentre pour pouvoir commencer. Enfin, ça serait moi. Ouh, je suis à contre-jour. J'aurais bien commencé tout de suite à poser. Mais ça va être assez délicat, donc je pense qu'il faut mieux qu'il soit là. J'ai hâte de vous montrer aussi. Vous montrer le résultat. Allez. Alors, cette fille a toujours très mal au ventre. Franchement, je commence à me dire si ça continue. Alors, je voulais pas aller au médecin. Parce que c'était qu'une gastro et que c'était... enfin voilà, il faut téléphoner, il faut prendre rendez-vous, il faut... voilà. Mais là, je me dis, si je vois que demain, c'est encore pas ça, ben, il y aura peut-être quand même chez au médecin. Mais je vois pas ce que ça peut être d'autre, quoi, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a aucun autre symptôme, quoi, en fait, à part le mal au de ventre. C'est bien à l'estomac que t'as mal. C'est où que t'as mal? Ouais, c'est l'estomac. Elle me dit c'est où l'estomac. Et alors, hein? En plus, tu sais où c'est l'estomac. Mais ouais. Donc je vois pas ce que ça pourrait être d'autre qu'en fait qu'une gastro. Après le virus, peut-être qu'il reste à l'intérieur et qu'il faut le temps que. Mais en plus pour une gastro, enfin, on peut rien donner quoi, à part d'espace fond. Et ça, c'est ce que je lui donne. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme je vous ai dit, elle mange pas grand-chose. Donc, arrivé à un moment, elle commence à être affaiblie. Hein. On est bien devant la cheminée. En plus, aujourd'hui, bon, il faisait 10 tout à l'heure dans la voiture, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de soleil du tout. J'ai l'impression qu'il fait frais. Allez, on va attendre que le plat gratine. Et puis, je pense qu'on va manger en même temps que Greg aujourd'hui. Il ne mangera pas tout seul comme ça. Et moi non plus, parce que je sais pas si Stécie va manger. Tu vas manger, Stécie? Un tout petit peu. 2-3 pommes de terre avec une tranche de jambon. Alors, Stécie n'aime pas trop fan des endives. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je fais des tranches de jambon tout seul. Voilà. Et je le mets dans la sauce et je le fais cuire. En fait. J'ai toujours fait ça depuis qu'ils sont tout petits. Et ils aiment bien la sauce, par contre, de la sauce des endives. Greg est rentré. Alors chérie, comment rendre un homme heureux? Comment te rendre heureux? En faisant des endives au gratin. Alors, en plus il y a une journée de merde au boulot, donc et on va manger et puis ensuite tu vas faire une petite sieste ou pas? Non? Un petit café, une petite pause et après on se met à dans la cuisine. On est en train de faire la crédence, je vais vous montrer. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté sur Amazon des petits carrés autocollants. En fait, logiquement, c'est pour mettre sur du carrelage, je pense, qui font imitation carreau de ciment. Alors, ça fait l'illusion. Franchement, c'est vraiment joli. Nous, on s'amuse à essayer de faire justement l'illusion du carrelage et en laisser un petit joint entre chaque. Je vais vous montrer ce que ça donne, en fait, de ce côté ici. Il est fini. Donc voilà. Alors il paraît un peu bleuté à l'image, mais il n'est pas du tout... En fait, il est dans les tons gris, il y a du beige. Mais c'est vrai que là, alors je ne sais pas, peut-être que c'est la lumière, mais il fait fort bleu. Mais il n'est pas si bleu quoi, en fait. Il est dans les marrons. En fait, il est blanc. Peut-être à la lumière là-bas. Voilà, peut-être là vous voyez un peu mieux. Donc il est beige. Beige, marron, gris. Alors mais c'est un gris un peu comme notre mur en fait. Un gris avec une petite couleur, un petit ton de violine en fait dedans. Vous voyez? Franchement ouais. Et donc on s'amuse nous à faire un joint tout autour pour faire l'illusion en fait du carreau de ciment. Franchement ça fait joli, enfin j'aime bien. Ça fait bien le truc quoi, en fait. Alors je vous l'ai dit hein, qu'on les avait achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien, je sais plus si je vous l'ai dit, en barre d'infos si vous voulez aller voir. Alors ils font plusieurs dimensions. Nous on a pris 10-10, mais ils font 10
10, 15, 15 et je pense qu'ils font 20, 20 aussi. On peut poser ça directement sur du calage. Ils disaient dans les commentaires que ça tenait super bien et tout, que même dans la douche ça tenait bien. Donc ouais, et puis ben, ça fait mieux que le blanc quoi, en fait. Ça habille le mur, je trouve que ça finit. Ça va super bien en plus avec l'étagère et tout. Ouais. Là, alors là on va faire de ce côté là. Comment j'ai fait? Je dois le faire maintenant. Donc là on va faire de ce côté là. En fait on a eu raison de mettre en blanc parce que le... comme on s'en sert pour faire les joints. Donc on aurait quand même dû mettre en blanc sur le dessus quoi en fait. Donc ça fait des petits paquets comme ça de carreaux. Ça fait une feuille autocollante en fait, comme ça, qu'on décolle et qu'on colle. Voilà. Alors ouais, c'est bizarre qu'à la caméra ça fait beaucoup plus bleu. Mais ils sont... Ouais, c'est la lumière. Mais ça fait pas bleu en fait, c'est plus dans les tons gris, blanc et il y a du beige dedans. Ma petite pause chérie, prends un café. Ah, moi aussi alors. Moi aussi je travaille, je décolle les feuilles. Ça fait plus dur. Je fais le plus dur. Et je te soutiens moralement. Ce qui n'est pas forcément évident non plus. On est en train de finir de l'autre côté. Franchement, ça va vraiment tout seul à mettre quoi en fait. Ça se pose super bien, ça cache, ça se cache un petit peu les défauts et ça s'adapte à la forme en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les repositionner s'ils sont pas bien positionnés. Non, franchement, ouais, ils sont top. Et puis, ouais, je trouve que ça rend bien. Mais à la caméra, ils paraissent bleus. Ça m'énerve. Ça y est, on a fini. Voilà ce que ça donne. Vous voyez pas bien. Hein. Hop là. Et l'autre côté. Vous voyez, là, il fait moins bleu. Il faut un peu plus gris. Et voilà. J'aime bien. J'aime bien le style que ça fait. Ça fait... ouais. Et là il est parti jusqu'à Leroy Merlin, il est parti, il va aller chez son fils en fait, et il va passer à Leroy Merlin pour aller chercher une latte, il nous manquait une latte pour finir le bar ici, parce que là la planche on va la laisser en bois, la même couleur qu'au-dessus, mais il manque une petite latte pour mettre tout autour pour finir en fait avec la latte qui est ici, et ben, ça sera pratiquement fini. Bon après il manque 2-3 trucs encore au niveau du bar, j'aurais trouvé un grand bar pour mettre là-haut lumineux. Et ici, je voudrais aussi mettre un truc avec écrit café ou quoi. On va voir, en fait. Mais ouais. Un petit peu à la fois, hein. Petit changement par petit changement. Ouais, donc la cuisine, ce qui restera à faire, c'est au niveau des meubles. Donc on attend que les ressourceries, etc., etc., rouvrent. C'est comme je vous avais dit, hein, je voudrais retaper... Des meubles en fait, et puis peut-être qu'on redonnera un petit coup de papier peint aussi, parce que on avait on a retapissé il n'y a pas si longtemps que ça en fait hein. Mais là le fait d'avoir bougé l'étagère, on l'a bougé un tout petit peu de place, on l'a décalé, ça a un petit peu égratigné la peinture, donc il faut qu'on le refasse de ce côté là et en fait le papier peint de l'autre côté on avait utilisé la colle je pense de chez Action, et c'est du, alors je sais pas, il y en a peut-être plusieurs hein, mais celle qu'on avait prise c'était du coca, tout il se décolle, tout. On va sûrement retapisser ou remettre en peinture, parce que les murs là ils sont en très très bon état puisque c'est des murs qu'on avait fait, qu'on avait refait, donc ouais, mais bon d'abord on va voir pour les meubles et ensuite on fera ça, et puis logiquement pendant les vacances, Greg est en vacances 15 jours à Noël, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé pourquoi j'en enlevais pas, mais vous voyez au niveau de mes fenêtres, j'ai du... Enfin ça fait opaque, vous voyez les, hop, on voit pas très bien avec la lumière. Mais oui, vous êtes beaucoup à me dire, mais t'as une superbe cour, comment ça se fait que tu mets ça pour pas profiter de la vue? Vous savez qu'on n'a pas énormément de vis-à-vis, parce qu'il y a personne... Enfin, il y a les appartements sur la, derrière, quoi, en fait. Mais quand ils regardent à leur fenêtre... ils doivent se pencher complètement pour pouvoir voir chez nous quoi en fait, donc on n'a pas vraiment de vis-à-vis, donc on les avait mis avant parce que j'avais une, enfin si vous nous avez suivis depuis le début, je sais pas si vous vous souvenez de notre véranda toute moche, donc je ne voulais pas la voir cette véranda, elle me dégoûtait, donc on avait, tu fais quoi Luna? Alors elle est là à la porte, elle attend que je lui ouvre, et quand je lui ouvre bah elle attend. Voilà, elle veut juste un... Ah, ça y est.
qu'elle se décide. Et puis elle va mettre deux pattes dehors. Elle va s'étirer un petit peu. Allez. Oh, tu fais quoi? Alors, non, tout compte fait, il fait trop froid. Bon, t'as raison. Comme quoi, c'est ce que je vous disais sur Insta, hein. Elle aussi, elle pense qu'on est bien à la maison. Donc oui, donc je voulais pas voir cette véranda, donc on avait mis ce film opaque pour éviter qu'on voit à l'extérieur et pour pas que ça cache au niveau de la lumière et tout. Là, en fait, j'aimerais bien les enlever, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas encore de persiennes dehors. Donc le soir, avec la lumière et tout, c'est pas qu'ils peuvent voir, parce que comme je vous dis, il faut vraiment qu'ils se penchent complètement pour pouvoir voir dans la maison. Mais j'aime pas trop, quoi, en fait, vous voyez, dès que les lumières sont allumées et tout. Donc ça protège un petit peu de ça. Mais après, quand il y aura la persienne, je l'enlèverai et je profiterai de cette vue qu'on a. Parce que c'est vrai qu'on a mis énormément aussi à l'extérieur et tout, et que j'ai envie d'en profiter et puis d'avoir ce visuel sur mon extérieur, quoi, en fait, un petit peu de verdure, voilà. Puis je gagnerai encore en clarté aussi, puisque la lumière passerait beaucoup mieux. Donc voilà, un petit peu, donc logiquement, pour revenir, donc logiquement pendant les 15 jours de vacances de Greg, on ferait la persienne, s'il fait pas trop froid, si ça se passe bien. Ça, et puis on avait dit qu'on aurait fait autre chose aussi. Ah, on commencerait aussi sûrement les chambres des enfants aussi. Voilà. Mais là, jusqu'aux vacances, mais bon, il est en vacances quand même le 17, je pense qu'il est en vacances en même temps que les enfants en fait. Il est en vacances 15 jours. Donc jusque-là, bon, on va essayer de. Si ça réouvre les magasins, on va essayer de faire les ressourceries pour essayer de trouver des meubles et peut-être qu'on changera les meubles avant, quoi, en fait, dans la cuisine. À voir. Voilà un petit peu les projets qu'on a pour les semaines à venir. Et ma mémère, toi tu t'en fous toi. Hein. Moi ce que je vais faire du coup maintenant, je vais m'installer avec une petite bouteille d'eau sur le PC. Et du coup je vais travailler un petit peu parce que j'ai pas encore bossé. Et si je bosse pas dans la journée, et ben le soir je suis pas couchée avant... tard le soir et le matin, bah après c'est très dur. J'essaye en fait maintenant 9h30 d'être montée pour être sûre, éteindre les lumières 10h et encore, et j'essaye même entre 9h, 9h30 comme ça, ben j'essaye entre 9h30, 10h d'éteindre les lumières et de dormir pour au moins avoir mon quota de sommeil, parce qu'au début ça va, hein, quand on se réveille de bonne heure, on a la forme et tout. J'ai mon rouge à lèvres qui s'en va, ça fait dégoûtant. Ouais. Je vais aller l'enlever complètement, je pense. Ah bah c'est bon, j'ai réussi. Oui, donc je disais, au début ça va, parce que, mais à la force, la fatigue, les heures de sommeil que vous avez en moins, ils s'accumulent et ça devient de plus en plus dur à se lever, quoi, en fait. Donc oui, il faut vraiment... Et puis moi, j'étais quelqu'un qui lui fallait ses 8-9 heures de sommeil. Donc après, en vieillissant, j'ai eu besoin d'un petit peu moins de sommeil, mais je ne peux pas dormir que 5 heures, quoi, en fait. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, surtout sur du long terme, quoi, en fait. Donc, si je vais coucher tous les jours à 23 heures, ben, j'ai que 5h30 de sommeil, quoi, en fait, et ça me suffit pas assez. Et encore, même en allant me coucher à 21h30, j'ai pas tant que ça de sommeil. Donc, après, le corps s'habitue, hein, mais voilà, il faut vraiment que j'aille dormir dans ces eaux-là, parce qu'autrement, j'ai pas assez d'heures de sommeil, et ça me va pas. Je voulais revenir sur un truc, sur les carrés au cheesecake, quoi, j'ai fait hier avec le crumble au-dessus et le caramel beurre salé. Je vous les conseille, mais à même si vous aimez pas le cheesecake, parce que si vous avez vu la recette que vous vous êtes dit oh non non moi j'aime pas le cheesecake, c'est pas pour moi, Greg n'aime pas du tout le cheesecake. Et souvent quand je faisais un carrot cake ou un truc comme ça, que je faisais logiquement le glaçage qu'on met sur le carrot cake, c'est un glaçage avec du fromage frais en fait, et quand je faisais ça, bah, il ne mangeait pas le carrot cake ou il coupait le dessus parce qu'il est horreur de ça, il trouve que c'est un goût de fromage sucré qu'en fait il aime pas. Et là, et ben, je peux vous dire qu'il adore ce gâteau. Il n'arrête pas d'en manger et ouais, franchement je vous le conseille, il est vraiment très très bon. En plus il est, pourtant là je l'ai fait hier et il est encore très croustillant et comme un biscuit, quoi, en fait, alors que je l'ai conservé au frigo et tout, et il est vraiment top top top. Je suis vraiment contente parce que la recette est ouais, plus que validée à la maison. Greg est rentré, il a été chercher son fils.
Et il a mis du coup la petite latte qui manquait au niveau du bar. Ici, là. Hop. Et là, il est en train d'installer la barre de lumière. Alors, avant, elle était là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en fait, je voulais la remettre parce que j'aime l'utiliser. Ça évite d'allumer toutes les grandes lumières, en fait. Ça fait une petite ambiance. Et ça éclaire juste assez la cuisine pour voilà, le soir ou le matin ou quoi, sans avoir une lumière trop agressive. Et ou quand il fait pas très clair dehors, vous voyez qu'il est un peu nuageux, et ben cette lumière là va très bien. Donc c'est une lumière qu'on avait achetée, c'est une lumière en LED, c'est une barre en fait rigide qu'on avait achetée à Ikea. Et donc avant on l'avait mis là, et là tout à l'heure en fait Greg allait la reposer, puis je l'ai posée machinalement sur la crédence en fait de la gazinière, et ben j'aime bien là aussi. Donc du coup je pense qu'on va la laisser là. Elle est installée. Et puis en fait là c'est embêtant pour la nettoyer, parce que je pouvais pas complètement la démonter, alors que là on l'a juste posée. Elle tient hein, mais elle est juste posée, donc je peux complètement l'enlever, parce que dans une cuisine ça prend tout le temps un peu de gras quoi en fait hein. Pour la nettoyer ça ira beaucoup mieux. Oui, donc en fait c'est une... Alors ça fait tous des morceaux comme ça, et on peut acheter plusieurs morceaux et à chaque fois les rajouter. Là je pense qu'on en avait pris plusieurs à nous. Il y a de l'eau je pense. Je me souviens plus. Mais oui, en fait c'est rigide parce qu'ils font des trucs souples, mais les souples ça a tendance à vite s'abîmer ou ça colle plus ou ça tient pas. Là c'est rigide donc ça va bien. Donc là nous c'est une blanche, mais ils font de couleur hein, je pense aussi. Ils en faisaient même qui changeaient de couleur ou avec des intensités différentes et tout. Mais nous c'est vraiment pour avoir une lumière d'appoint le soir quoi en fait. Et la dernière fois je m'étais en train de me dire que j'en mettrais bien une, hein Greg, en dessous du bar en fait là. Tu vois, on a encore une souple en haut ici, tout le long dans la latte pour que ça éclaire. Mais on en a une en haut mais avec qui fait plusieurs couleurs, qu'on avait acheté je sais plus où. Non, je me demande si c'est pas une que j'avais commandée pas très cher en fait. Et mais tu vois en dessous du bar, pas là hein, pas en haut. Au niveau du meuble là. Ouais. Ça ferait bien, non? Oui. Oui. Tu pourras tout enlever. Non, c'est une collante. C'est une souple. Oui, donc il faut juste. Pour pouvoir poser comme il faut. Elle est casse-pied ta femme. Hein, avec ses idées saugrenues à chaque fois. Tu veux changer de femme, je crois. Tu veux changer de femme? Ouais. Ouais, mais tu sais, on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Hein. Tu pourrais gagner pire. En plus, tu me fous le bordel. Hein. Tu pourrais le ranger quand tu bricoles. Hein. Alors, en plus, il faudrait qu'elle soit... Enfin, là. Hein. Parce que t'as beaucoup d'exigences, quand même, toi. Hein. Moi? Ouais, t'es exigeant. Je suis pas exigeant du tout. Il faudrait une qui râle pas. Ah, ça serait bien. Une qui fasse à manger correctement. Ah, moi, je t'en parfais. Une qui sait bien entretenir la maison. Moi, ça, je m'en fous. Tu... Il dit ça, hein. Il dit qu'il s'en fout parce qu'en fait il me trouve beaucoup trop maniaque et pour lui voilà, il y a plein de trucs. Mais maintenant il dit plus rien hein, parce qu'il sait. Mais voilà. Mais je suis sûre, en fait il faudrait que j'essaye de faire un test une fois. Je fais pas le ménage de la journée, je fais strictement rien. Je suis sûre qu'il devient. Voilà. Faudrait qu'on fasse une fois. Un jour où il est en vacances. Ouais, mais okay. Je vais rien dire en fait, tu vois, je vais juste rien faire. Eh ben, j'ai... Ah, tiens, mais t'as pas envie de... Tu fais rien, t'as raison, profite. Ouais, ouais. Ouais, mais tu verrais l'état de la maison le soir aussi. Bon, faut que tu t'en rattraperas en même. Ah, bah non, parce que je le ferais pas, ça serait toi qui le ferais. Ah. Non, mais. Ah, bah allez, ouais. Bon allez, je vais préparer les ingrédients, puis je vais commencer à faire à manger pour ce soir les pétonques. Non, mais fais gaffe, toi, hein. Parce que tu vas aller manger à la friterie là. Hein? C'est quoi ce soir? Non, mais t'aimes pas. Non? Non. Ah, je sais pas, les endives au gratin. Non, bah là, tu les as mangés ce midi, les endives au gratin. Alors, j'ai préparé les ingrédients, donc on y va. Il nous faut à peu près 400 g de pétonque.
plus si vous le souhaitez. Alors moi je prends des pétons, c'est moins cher que les coquilles Saint-Jacques, mais vous pouvez très bien le faire avec des coquilles Saint-Jacques si vous le voulez, réduire les quantités, ou même le faire juste en entrée aussi, mais dans des petites cassolettes comme là avec Noël, vous ferez sans les pâtes quoi, ne pas le faire en plat principal. Donc du coup j'ai à peu près 400 g de pétons. On aura besoin de tomates semi-séchées, on en trouve dans le rayon antipasti des grandes surfaces. Là ils viennent de chez Lidl. On a besoin de 2 gousses d'ail, un peu d'ail en... non, j'ai pris l'ail en poudre, mais non, il n'en faut pas. Des épices italiennes, le mélange est sur le blog si vous le souhaitez. 125 ml de bouillon de volaille, 150 g de crème épaisse, 40 g de parmesan, des épinards, des pousses d'épinards, donc là ça vient du potager. Et je pense du sel, du poivre, et je pense que j'ai fait le tour. Alors on prend une poêle, on met un peu d'huile d'olive et on va faire dorer nos pétonques. Alors moi ce que je fais, c'est que j'enlève toute l'humidité pour qu'elle dore justement plus facilement, voilà, dans du sopalin en fait, et ensuite je les mets dans ma poêle bien bien chaude. Alors une fois que nos pétons sont plus ou moins dorés, alors ça cuit vraiment très très vite hein, ça. On les retire et dans la poêle à la place on va mettre de quoi faire notre sauce. Donc hop, on va mettre notre crème, la crème épaisse. On va mettre le bouillon de volaille. On va mettre les épices italiennes, une cuillère à café. Oups. Et le parmesan. Et on va faire épaissir tout ça, mélanger jusqu'à faire cuire une petite minute, jusqu'à ce que la sauce, vous voyez que la crème soit bien diluée dans le bouillon, que le bouillon soit bien dissous. Alors je rajoute pas de sel, pas de poivre, parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut dans les épices italiennes et dans le bouillon en plus. Alors si vous voulez aussi, vous pouvez mettre que la moitié d'un cube hein. Là j'ai peut-être mis un peu trop de cubes de bouillon. Donc on fait épaissir, on fait fondre le parmesan et tout. Alors une fois que notre sauce elle a épaissi, on ajoute nos pousses d'épinards. Et puis nos tomates séchées. On laisse flétrir les épinards dans la sauce. Alors, au niveau des tomates, je vais mettre à peu près 100 g dedans. Voilà. Donc on fait tomber les épinards dans la sauce. J'ai oublié, je vais ajouter l'ail aussi. Donc je presse l'ail. Hop, directement avec les épinards. Alors une fois que les épinards sont tombés, on ajoute les pétonques, on mélange tout correctement et on peut passer à table. On fait juste réchauffer 30 secondes les pétonques. On mélange ça avec les pâtes et ça va être délicieux. On va passer à table. Du coup voilà ce que ça donne avec les pétonques. Ça, c'est trop bon. Alors après, il faut aimer les fruits de mer. Hein. Mais moi, j'adore ça. Voilà. Ben, Stécie, elle va manger des pâtes blanches, elle. Hein, chérie? Mais de toute façon, Stécie, elle, par contre, une fois, elle a été malade avec les fruits de mer. Et du coup, maintenant, elle en mange. Mais elle se régale plus avec, en fait. Oh, il a pas dit de gros mots. Exploit. D'habitude, quand il fait tomber quelque chose, c'est pas « Eh mince !» qu'il dit, hein. C'est « Eh mince !»
Là, il s'est rattrapé en fait. Il a fait et il a dit ah, oh, faut pas que je dise un gros mot. Mais bon, je pense que ce mot-là, on le dit tous. Hein. C'est comme le mot. Hein, celui-là aussi. On le dit tous. Hein. Ah ouais. J'ai chaud. Comme tous les soirs. À chaque fois, dès que on ferme les rideaux et tout, il crève de chaud dans la maison. Jusqu'à maintenant, j'avais pas chaud, hein, mais voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et du coup, moi, je vous dis à lundi, puisque c'est week-end pour moi. Pas de vidéo samedi ni dimanche. On se retrouve lundi avec le retour de course, avec les courses, etc., etc. Passez un très très bon week-end et prenez soin de vous. Et faites pas trop les magasins, là, parce qu'à mon avis, il risque d'avoir du monde ce week-end. Voilà, faut me faire attention. Ah, allez, bisous. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 2. Ah, tu parles du 2 du film de Noël? Ouais, bah tu l'as. Ouais, sortez aujourd'hui. C'est la rubrique. Les chroniques de Noël? Ouais. Le 2 sur Netflix, il sortait aujourd'hui. Ce week-end. Angel, il y en a jusque là, là, des films de Noël. Allez, sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bye, bisous. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator.